Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui annonce mon retour sur YouTube. Justement, on va en parler, je savais pas trop où aller au niveau des serveurs pour faire cette vidéo. J'ai décidé d'aller sur iPixel, je sais même pas si je vais faire des jeux à vrai dire, ça fait longtemps que j'y ai plus été. Et ça a plutôt bien changé, je crois. Je crois pas que ça y était tout ça avant. Peu importe, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va directement se mettre dans une petite game. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça fait longtemps que je suis plus passé, alors excusez-moi, je découvre un petit peu en même temps que vous. On pourrait... J'en sais rien du tout. Arcade Game Coming Soon. Ok, donc on peut pas y aller pour l'instant. Quakecraft serait... Ouais, on va peut-être faire un petit NT Run, histoire de... Alors on va juste... Voilà, voilà, pif. D'ailleurs, ça n'était pas ça avant non plus. Donc, les raisons de mon absence, les raisons de mon retour, on va en parler tout de suite. On a juste lancé une petite game. On va aller dans... J'aimerais bien un petit NT Run, quelque chose comme ça. Ça serait cool qu'il y en ait une qui se lance là, vraiment... Non, personne. Personne veut lancer une TNT Run. On va aller voir dans les autres lobbies très rapidement. Donc on était dans le lobby 1. On va voir un petit peu ce qu'il en est dans les autres lobbies. Donc, il y a absolument que dalle à croire que personne veut faire un TNT Run à part moi. Personne. Bon, on va faire un blow spliff, alors c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde qu'avant. Peut-être qu'une impression, mais enfin bon, bref. Pourquoi j'étais parti tout simplement, premièrement j'ai eu quelques soucis avec mon Mac, que j'ai d'ailleurs réinitialisé, il marche tellement mieux qu'avant. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas la seule raison, c'est pas l'unique raison, c'est peut-être pas la bonne raison non plus. La bonne raison c'est sûrement que j'avais un manque évident de motivation. Aujourd'hui je sais pas du tout comment je vais revenir, si je vais reprendre du Craftmania, en tout cas oui peut-être pour la saison 3, mais si je reprends la saison 2 de Craftmania ou pas, ça va bientôt commencer. Si je reprends la saison 2 de Craftmania ou pas, si je reprends le Let's Play ou pas, parce que je sais pas si ça vous plaît réellement, en fait je doute de moi-même. Je doute que ce que je fasse vous plaise à chaque fois. Et donc, j'ai besoin de vos avis. Alors, le son va un petit peu fort, je règle le remontage, mais qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais, le mec? Ah! Je suis mort. Excusez-moi pour le bruit. Donc, ça va me permettre de parler un petit peu mieux. Je disais donc, je sais absolument pas comment revenir. J'ai pensé à plein de trucs, j'ai même repensé à du Feed the Beast, j'ai repensé même à Utopia. Mais je sais pas, je doute en fait. Le problème avec moi, c'est que j'aime bien les séries que je fais vraiment. Sauf que j'ai du mal à imaginer que vous aimiez ça. Enfin, j'ai du mal à me faire à l'idée que vous aimiez ça. Et c'est un gros problème, je sais, mais j'ai toujours été comme ça. Enfin, j'ai toujours eu du mal à croire qu'on aimait ce que je faisais. Enfin bref, peu importe. Et donc j'ai besoin de vos avis là. J'ai besoin de vous pour me dire un petit peu comment je peux reprendre cette chaîne. Faut savoir que je suis commencé à jouer à LOL. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je compte pas vous en faire de vidéos spécialement. Mais faut savoir que pour ceux qui n'auraient jamais testé, c'est un jeu à tester au moins une fois. Parce que même si vous n'aimez pas au début, après c'est un jeu qui est vachement prenant. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien. Alors je suis pas accro non plus, ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce que en soi beaucoup de personnes qui aiment y jouer deviennent très vite accro. Moi j'aime beaucoup y jouer, pourtant je suis absolument pas accro. Je fais même pas de game tous les jours hein, pour vous dire, enfin je vais en faire 3-4 par semaine, mais j'aime vraiment bien ce jeu. Si je pourrais en faire plus, j'en ferais plus. Heureusement c'est pas le cas. Donc voilà, alors faut savoir que j'arrive aussi en fin d'études, c'est pas spécialement facile pour moi de vous pondre des vidéos. Faut savoir que j'ai pensé à beaucoup de concepts pendant mon absence. J'ai pensé aussi à reprendre l'actu geek parce que je sais que c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur. Malheureusement à l'époque j'avais pas énormément d'abonnés. Aujourd'hui on a dépassé les 3000 les amis, c'est un truc de psychopathe. Franchement c'est vraiment un truc de dingue, je vous en remercie. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu peux bouger de mon corps s'il te plaît? Donc c'est vraiment un truc de malade.
Et je vous en remercie tous, je vous fais des bisous, je vais pas faire de vidéo spéciale, déjà ma spéciale 2000 elle s'était arrêtée. La prochaine spéciale que je ferai c'est pour les 5000, si tant est qu'un jour j'y arrive bien entendu. Donc laissez-moi s'il vous plaît vos avis dans les commentaires sur les séries que vous voudriez que je reprenne. Alors entre autres j'avais pensé à du Craftmania, donc soit saison 2, je termine un petit peu donc en solo, posé bye. Soit j'avais pensé à faire une série qui est à moitié modée, c'est-à-dire que ce sera du Vanilla plus, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc ce sera du Vanilla, sauf qu'en plus j'ai rajouté quelques modes qui me faciliteront, qui me faciliteront la vie déjà, et qui m'aideront à ajouter un petit peu de contenu, pas RP, mais plus dans la mécanique du jeu. Donc par défaut pas du Feed the Beast, mais des petits modes un petit peu qu'on pourrait retrouver dans ce genre de modpack. Donc soit je fais ça, soit je fais du Feed the Beast, soit je fais du Craftmania, soit je fais de l'Actu Geek, donc ça je pense sérieusement le reprendre très sincèrement. Mais j'aimerais quand même avoir vos avis parce que je veux savoir un petit peu ce que vous en penseriez. Ce que vous en penseriez, hein, très bien. Non, ce serait pas toutes les semaines, mais ce serait au moins une fois par mois, je crois. J'ai été déco, la partie c'est sûrement terminée. C'est vachement beau quand même. Les shaders sont... On pourrait dire ce qu'on veut, mais les shaders sont vachement beaux. Je suis encore en 1.7.2. Je suis pas avec les tout nouveaux shaders parce que sur Mac ils passent pas. Vous savez, les tout nouveaux shaders qui pètent du poney. Mais ceux-là sont vraiment pas mal non plus, hein. Très honnêtement, je vais pas me plaindre. Donc voilà, alors petit tip, si vous ne le savez pas, on peut passer par ici. Enfin d'habitude je passe par l'autre côté, mais par là je pense, oui. Et on peut rentrer dans les maisons sur iPixel. En tout cas on pouvait avant. Maintenant on peut plus passer par là. Très bien, je savais pas. Peu importe. Donc petit tip assez sympa. Donc je sais pas, soit je fais ça, soit je me lance directement sur du multigaming. Sachez que j'en ai eu aussi beaucoup envie. Et même si j'ai une bonne communauté Minecraft derrière, j'aimerais peut-être commencer, peut-être des let's play, je sais pas. J'ai envie d'avoir votre avis vraiment sur ça. Peut-être des let's play sur des RPG également. Se spécialiser un petit peu dans les RPG, ça peut être sympa aussi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ça, moi. Donc ce serait des jeux exclusivement PC, hein, ou Mac, hein, en l'occurrence. Mais peut-être du Torchlight, pourquoi pas, peut-être du World of Warcraft, ou j'en sais encore rien. World of Warcraft et Torchlight, j'ai pas beaucoup joué, j'ai juste lancé. J'attends, je me tâte, je sais pas vraiment, et je savais même pas qu'on pouvait aller là. Mais je découvre en même temps que vous, tenez. Et... Yo, ça passe pas. Peu importe, je suis un petit peu les Yamakasi, je suis un petit peu le fou furieux. Donc voilà, j'espère que mon retour vous fera quand même plaisir. J'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, savoir que je suis tout à votre écoute. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Je vous aime. Oui, je vous aime.